cette fois. Ça ne veut plus tarder. Alors, Producteur Bolette aime venir en force à l'extérieur des autres. Il n'aime pas trop le contact. Attention également, Volté, c'est pas forcément sa tasse de thé. On va voir. Avec Nico. Lance, qui est désormais son entraîneur en attendant. Cadelin, Mathius reprennent les commandes. Alors, on va monter. On volte. Et c'est parti dans cette épreuve. Parti avec tout de suite, bien sûr, les concurrents de 3 ans qui sont devant. La faute du numéro 8, Producteur Bolette, qui était le grand favori de l'épreuve. Et oui, la volte, c'est pas forcément son truc. Pour l'instant, il perd énormément de terrain. Et Producteur Bolette qui se retrouve quasiment hors course. Le 9, Jealous Girl, qui va s'installer au commandes. Deuxième position, nous avons le 6, Jaco Legrand avec Prestonin. Et bien voilà, disqualification numéro 8, Producteur Bolette. Il ne s'est pas fait du tout au départ volté. C'est terminé pour le favori. Picture Perfect, le numéro 7, on profite pour prendre la tête. En deuxième position, il y a Jealous Girl, le 9. Ensuite, nous avons le numéro 6, Jaco Legrand. Un peu plus loin encore, le 4 à l'extérieur, Prestodan qui se rapproche. Là, ce côté corde se défend bien, Porsche de Vive. Pendant ce temps-là, on vient de faire la faute avec le numéro 2, Private Banker, qui ne devrait pas tarder à être disqualifié à son tour. Et l'effort numéro 10, Oscar Van Albeck, hein, qui était un concurrent qui partait 50 mètres derrière et qui vient déjà sur les concurrents de tête. Nous sommes à deux tours du but, hein, sous la conduite numéro 7, Picture Perfect. Jealous Girl dans son sillage. En troisième position, le 6, Jaco Legrand. Le 10 se rapproche en dehors, c'est Oscar Van Albeck. Le numéro 4 vient dans son sillage, c'est Prestodan. Avec un peu plus loin encore, l'As Porsche de Vis, fait Kazakh Orange qui est calé le long de la corde. Et le peloton s'est cette fois reformé. Hein. On a recollé, notamment avec Ossar Vritout et Orgy Vritout. Signe qu'on n'a pas forcément été très vite hein, en début de course avec les 3 ans. La ligne d'en face avec Picture Perfect qui contrôle la situation. Jealous Girl qui est dans son sillage. En troisième position à l'extérieur, Oscar Van Albeck, le numéro 10. Calé le long de la corde, nous avons toujours le numéro 6, Jaco Legrand. Sur une quatrième ligne, Porsche de Vive côté corde, Prestodan à l'extérieur. Cinquième ligne composée de Pure Classe avec Orgy Vritout. Un peu plus loin, le 11, Ossar Vritout. Attention, là, une fin de course terrible, hein, cette Ossar Vritout. Avec également le numéro 5, Power Brigadoon, qui forme l'arrière du peloton en compagnie du numéro 12, Isaac Awagne. On va repasser devant les tribunes. Il reste un tour à effectuer sous la conduite de Picture Perfect qui contrôle les opérations. En deuxième position, Jealous Girl qui trotte dans son sillage depuis pas mal de temps maintenant. Suivi encore par Oscar Van Albeck avec le 6 côté corps de Jaco Legrand. Le 4 vient un peu plus loin, Prestodan avec Porsche de Vive, le numéro 1. On entame le dernier kilomètre dans cet ordre. Et les concurrents des 50 mètres, notamment le 10, Oscar Van Albeck, se maintient en troisième position. Un peu plus loin, Orgy Vritout, hein, qui est également dans le wagon de 2, au même titre que le numéro 11, Ossar Vritout. Ligne d'en face désormais, avec toujours Picture Perfect qui contrôle la situation. Dans son sillage, Jealous Girl, qui n'a rien fait du parcours. Oscar Van Albeck commence à trouver peut-être le temps long à l'extérieur. On a beaucoup de gaz avec Jaco Legrand qui tire le long de la corde. Et on patiente toujours avec notamment Orgy Vritout et Ossar Vritout. On se dirige maintenant vers le tournant final avec Picture Perfect qui a l'avantage pratiquement depuis le départ. Jealous Girl qui a déboîté et qui va venir l'attaquer. En troisième position, il y a Oscar Van Albeck. Un peu plus loin, on est lancé avec Orgy Vritout, le numéro 13. Alors qu'on plafonne quelque peu avec Jaco Legrand de côté corde. La faute de Oscar Van Albeck, le numéro 10. Le tournant final avec toujours Picture Perfect qui a l'avantage, qui n'est pas débordé pour l'instant par Jealous Girl qui a du mal à venir. Avec Picture Perfect qui a toujours l'avantage, Jealous Girl qui essaie de venir l'attaquer. Picture Perfect, Jealous Girl, Picture Perfect toujours avec Jealous Girl numéro 9 qui est sollicité. Picture Perfect qui repousse les attaques pour l'instant. Picture Perfect qui va le faire de bout en bout dans cette épreuve. Le 7 qui va s'imposer dans le numéro 9, Jealous Girl. La troisième place en être trait pour le numéro 11, Ossar Vritout qui vient coiffer au poteau le numéro 13, Orgy Vritout. Le 7 devant le 9, le 11 et le 13. C'est sans doute l'arrivée de cette troisième course. La victoire de bout en bout pratiquement pour Picture Perfect dans cette épreuve. Deuxième place pour Jealous Girl qui n'a rien pu faire. Et la troisième place en retrait pour le numéro 11, Ossar Vritout devant le 13, Orgy Vritout. On regrettera bien sûr la faute initiale du favori Producteur Bolette. On revoit cette phase finale avec Picture Perfect très courageuse
qui le fait de bout en bout dans cette course. 7, 9, 11 et 13, arrivé de cette troisième course à Mons.